Hello, du coup on se retrouve pour le jour numéro 2. Je vous fais l'intro en voix off parce que si vous aviez vu la qualité de l'intro, c'était horrible, c'était n'importe quoi. Du coup, au programme de la journée, on a un peu de nettoyage, il n'avait plus tout, c'était pas ouf. On doit faire des photos d'Halloween et j'avais une grosse vidéo à tourner. Sans oublier de s'occuper de la pro et tout un tas d'autres choses. Pour vous remettre un peu dans le contexte, j'étais partie quelques jours chez mon oncle et ma tante puisque mon cousin a fait un concert. Du coup, je vous mettrai son Insta quelque part si vous aimez le rap, puisque ça fait toujours super plaisir quand on voit que les personnes s'intéressent à ce qu'on fait. Je vous mettrai aussi notre Instagram. Du coup, voilà, comme j'étais partie quelques jours, tout était un peu crado. Donc pas de miel et pop, ça c'est normal, il nous faut chercher Eclipse, Hermione et les bébés lapins. Bon allez, je vais essayer de réparer ça, je vais sortir les bébés même si, parce que là il fait que pleuvioter donc ça va aller. Celui qui saute, hein, il finit à la moutarde, sauf toi 50. Je te parle à toi petit monstre. Oh mon Eclipse, coucou boule de poils. Bon, on va quand même aller à la recherche des boules de graisse. Il a bien plu, genre ça a rempli les gamelles de l'écu. Leur eau est dégueulasse. Coucou ma boule de poil. Boulette numéro 1 et boulette numéro 2 doit être là-dessous. Bah c'est bon, boulette numéro 2 elle dormait là-dessous. Par contre j'ai peur qu'il y ait des rats qui traînent parce qu'on en avait eu avant. Merde. Ah bon, ça a gonflé. On en avait vu avant avec les poules et tout, je les avais attrapées avec ça, je les avais relâchées plus haut. Là où il y avait. Enfin voilà quoi. Et là, il y a un petit. Il y a une bête qui a commencé à creuser. Et c'est pas les cochons d'Inde qui creusent. Hein. Ah oui, vous êtes beau. Bon, ça va, je suis rassurée parce que j'avais vraiment peur. Bref, du coup, j'ai remis la cage là. Mais je ne vais pas la mettre en dessous parce que les cochons d'Inde seraient capables de rentrer dedans. D'ailleurs, si vous ne suivez pas sur Insta, vous n'êtes pas au courant. Mais le 16, c'est l'anniversaire d'Hermès. Un an d'adoption. Tiens, mon bébé. Et le 17. C'est l'anniversaire de Percé, un an d'adoption. Octobre. Tiens mon poule. Ils aiment trop les. Bah, ça, c'est les friandises sélectives. Celle-ci. Non, mais. J'ai trouvé Hermione, mais franchement, au bout d'un moment, faut arrêter. Ah, ok. Je pense que les voisins, ils ont pris des plaques pour clôturer un peu leur jardin. Allez, Hermione, tu peux le faire. T'es grande quand même. Ils sont tous dans la bouffe. Ça va? Ah, ma voix. Regarde, elle a une truc sur une plume. Allez, je vais nettoyer. Ah, non mais. Il y en a une là-bas aussi. Je vais nettoyer leur enclos. C'est bon, du coup les bébés ils sont propres. Il me manque juste le foin, mais il est saoulé, plein de gravier pour lapin. Du coup, il me faut de l'aide pour aller attraper. J'irai tout à l'heure, c'est pas très grave, je leur ai mis la luzerne. Ouais. Bon, ça c'est ce qui est sale. J'ai pas nettoyé dehors au port. Encore. Il me manque juste un bébé, comme d'hab, c'est le petit Angora. Je vais donner la vitamine C au cochon d'Inde et après je pourrai aller voir pour aller chercher des légumes. Du coup, les légumes, il n'y avait pas de légumes pour les lapins, c'est pas grave, il m'en reste encore, du coup je repasserai demain. Parce que je passais trop tard, du coup il avait tout jeté. Je vais rentrer direct, je vais nettoyer la cage des rats, ranger un peu ma chambre, faire ma valise. Et après je finirai les costumes d'Halloween pour les lapins. Enfin, on va passer pour cet après-midi avec Rosa. Puisque il a arrêté de pleuvoir, donc j'espère qu'il y aura une petite éclaircie. Après s'il n'y a pas trop de luminosité à la retouche, je pense que j'arriverai à faire mon truc. Du coup on va faire ça et puis après j'attendrai Rosa. Donc ah oui, je pourrais essayer d'avancer la vidéo que je tournais aujourd'hui du coup. Mais je verrai, si j'ai le temps, j'avancerai des scènes où j'ai pas besoin d'être accompagnée. Thank you.
Du coup, j'ai fait le haut de la cage des rats, le bas, ça va, il est encore propre. Franchement, j'aurais chaud dans les rats. Il y en a une là qui dort là-dessus. Après, il y en a une qui dort dans la casquette. C'est Berry. Les autres, je sais pas où elles sont, elles doivent être dans la cabane en bois. Ou peut-être une là. Il y en a une là. Genre, elles ont des super hamacs, et elles dorment là-dessus. Sinon, là, je vais faire des déguisements d'Halloween, t'es là-bas. Je suis désolée pour cette journée qui va forcément être ouf, parce que ce matin, il a plu, du coup, j'ai pas passé énormément de temps en bas, et puis j'avais des trucs à faire en haut, et finalement, j'ai plein de choses à faire, mais j'ai pas fait grand-chose. Et cet après-midi, on va faire de la vidéo et de la photo. Du coup, je sais pas trop ce que je vais arriver à vous vlogger, je vais voir, parce qu'il faudrait aussi, j'aimerais aussi lâcher les bébés en toute la liberté, donc là, si on fait ça, ça pourrait être cool à vous montrer. De toute façon, il y a des bébés qui vont sortir, qui vont faire plein de conneries comme d'habitude, donc ça, je vous le montrerai. Mais sinon, je pense que les vues le prochain jour vont être plus intéressantes. Demain, je déménage toute ma chambre, normalement. On verra bien si j'arrive à le faire ou pas. Et du coup, bah, je pourrais vous montrer comment j'ai réaménagé l'espace des rats et tout, et comment je vais préparer quand je vais remonter les cauchemars. Enfin, bref, voilà. Jeudi, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais je sais que je vais faire un gros soin à tout le monde. Donc, gros soin au cauchemar, gros soin au lapin. Bon, je pense pas aux rats. Peut-être je vais mettre le truc antistique au chat, un petit coup de brossage et tout. Et après, du coup, vendredi, samedi, dimanche, on part à hier avec. Normalement, on prend Miel et Pops. Qui c'est qui est au milieu du canapé? Bon, du coup, là, il est. Oups. Il est 14h30. Pivoine, elle a perdu toutes ses plumes. Je vais aller ouvrir au bébé. Je sais pas, c'est peut-être qu'elle fait sa mue. J'espère que c'est ça quand même. Oh, ça a gonflé. Allez, sortez les schtroumpfs. À votre avis, il y a combien de lapins là? Coucou maman Fifty. Non mais... Non, non. Fripon. T'as encore ta crotte collée en plus. Il y a le petit mec japonais qui s'y est mis aussi à sauter. Il est derrière. Vous êtes trop loulés les bébés. Ah non, c'est que c'est ouvert. Ah merde. Ah bah du coup... Ok. Ok les complotins. On va refermer. Moi il y a plus qu'il est dehors. Mais c'est pas grave, je vous lâcherai après le shooting photo. Quand on aura. Bon, il n'y a pas Miel, donc ça va, mais il y a quand même Eclipse, et que ça peut être violente. Non, mais c'est une blague, il y en a une autre qui a sauté. Bon, je voulais pas les lâcher parce qu'on veut faire les photos d'Halloween, mais comme ça fait une heure et demie de retard, je vais ouvrir pour l'autre quand même, parce que bah, elle est solo, bichette. Des vraies boules à bêtises. Background. Je crois qu'il pleure encore. Carole fait ça. Qu'est-ce que tu fais sans... C'est un documentaire animalier. T'as vu le zoo de la Barbenne, machin, tout ça. Une saison au zoo. Et on va faire... Ah, on va faire une saison chez Carole.
journée n'aura pas été follement intéressante, je pense que j'ai... En soi, j'ai fait des trucs, mais je ne vous ai pas trop filmé. En fait, vous savez, genre, c'est pour le concours, là, de... Comment ça s'appelle de... Qu'ils ont fait ces discounts, là, avec, je sais pas, il y a Cyprien et tout, et je m'étais dit, bah, en vrai, j'avais un peu la peine de participer parce que j'avais pas du tout le temps de tourner la vidéo, et que là, on est mercredi, mardi, je dois la rendre jeudi. Et après, je me suis dit, bon, de toute façon, ça va être qu'aux 18 ans. Et en fait, non, on pouvait le faire à 16 ans, donc j'ai 16 ans, du coup, je pouvais, du coup, j'avais aucune excuse pour pas le faire. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo, je vais pas faire genre une vidéo toute facile, je vais faire un truc original. Du coup, je me suis dit, on va partir sur une base d'idées où je me. Genre, je fais une vidéo et je tombe et je me transforme en poule, vous voyez. Genre, un changement de corps avec Pivoine en soi. Genre, c'est pas forcément une idée originale, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait. Mais en fait, c'est hyper malaisant, mais vraiment, genre. Vous avez des vidéos sur la chaîne où je suis malaisante, enfin sur les premières, celle où j'avais parlé à la place des lapins là pour Game of Thrones, celle où j'avais fait Netflix quand on avait des animaux mauvais, quand on a, ou la journée où j'avais lancé comme les lapins, enfin il y en a des vidéos malaisantes, mais franchement là, genre c'est du lourd, mais vraiment quoi, je me mets à pondre un œuf, donc je sais pas, genre. Je me dis en même temps, genre, tu vois, j'ai rien à perdre, je l'envoie ou pas, j'ai rien à perdre, mais en même temps, c'est tellement malaisant, c'est pas envie de leur perdre leur temps, quoi, c'est sûr que tu vas gagner avec ça. Enfin, après, le but, c'est pas de gagner, c'est genre, j'ai kiffé faire la vidéo, c'était grave drôle avec Rosa, on m'a rigolé, parce que c'est foutu de ma gueule tout le long, mais que j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.